Ault, une ville d'une beauté endormie, nichée en lisière de falaise. Son histoire, c'est aussi une lutte inégale contre l'avancée de la mer. Avant 1700, il y avait une ville basse, un quartier de pêcheurs, englouti un jour de tempête. Aujourd'hui, seule demeure la ville haute. Et la falaise vive continue d'être dévorée par les vagues, un recul évalué en moyenne à près de 70 cm par an. Au début des années 70, une digue a été construite, puis un ouvrage en béton pour ralentir l'effritement. Des protections qui vieillissent, l'inquiétude est immense pour les habitants du front de mer. Ça serait un gâchis phénoménal par rapport à l'argent qui a été investi pour protéger justement ce front de mer, d'abandonner, de partir à reculons. Face à ces questionnements, le maire d'Ault oppose la brutalité des chiffres. La cascade de béton paralyse les budgets de la ville depuis plus de 30 ans. On ne pouvait pas grand-chose pour notre ville puisqu'il y avait presque 500 000 euros de remboursement quand je suis arrivée en 2008, 500 000 euros annuels. Précédemment, c'était encore plus important. Donc, comme moi, mes confrères ont été obligés de dire ben, on rembourse et puis on ne fait rien pour l'instant. Du côté du syndicat mixte Baie de Somme, on défend l'anticipation nécessaire. Un grand projet urbain, un peu en retrait du front de mer, pour redonner du souffle à cette ville oubliée. 7 hectares d'espace en friche autour de la demeure ancienne du Moulinet pour penser Ault demain. C'est important de remettre en place différents services, des logements, des commerces, peut-être des administrations également sur le Moulinet. Mais encore une fois, il n'est pas question non plus de transférer le centre-ville d'Ault sur le Moulinet. Des enjeux majeurs auxquels les habitants veulent être associés. Ce soir, les élus du syndicat mixte et de la ville ont accepté de répondre à l'invitation de l'association Ault Environnement. Les questions seront, c'est sûr, nombreuses.